Bien, on est les gagnants, on doit se présenter déjà. Ouais, donc, voilà. On est la team des gagnants. On en donne la couleur. Franchement, ça, c'est notre vidéo. Mais pour la fin, on l'a pas dit. On sait qu'on va gagner. On va déjà gagner ici. On va déjà gagner. Moi c'est Defuga pour ceux qui ne me connaissent pas. Pour les anciens, vous me connaissez votre go. Alors aujourd'hui vous avez pu voir au titre, même à l'intro, je ne suis pas seule, je suis en compagnie de my family. Yeah. Comme vous avez pu voir aussi au titre, aujourd'hui on va faire un culture général. C'est-à-dire que on va un petit peu, pas comparer mais tester la connaissance de chacun. Il y en a qui ont un petit peu fait les malins, j'ai vu un petit peu au début, ils ont un petit peu fait les malins. Mais y'a pas de souci ici, y'a pas de meilleur, y'a pas de mauvais. Eux-mêmes, ils se présentent. Moi, c'est Christella. Il dit 14 ans. Je vais pas trop parler parce que je sais déjà que je vais gagner. Oh. Bon, moi, je présente Kevin, je parle pas trop. Actuellement, encore à l'école. Là, on va tester nos capacités. On verra. Je m'appelle Cassandra. J'aime bien les maths, mais je suis nulle en maths. Vous avez un petit peu vu l'atmosphère, le tempérament, ils sont un petit peu tous fous. Il y en a qui ont eu la gueule, il y en a qui sont un petit peu plus calmes. On verra qui sera les meilleurs. Je vous explique un peu le concept. Il y aura deux équipes. L'équipe de Kevin, ici présent, Christella, Ellie, Cassandra. Je vais poser des questions aux deux familles, ok? En vrai, c'est pas compliqué. Un voyage? Oh, le Congo. Donc, en vrai, c'est pas compliqué. C'est en mode, je pose des questions et la famille qui a plus de points à gagner. Alors, j'ai super mal expliqué les règles du jeu, mais je vais mieux les expliquer. En gros, ce sera sur trois manches. Comme vous voyez, il y a deux familles, je poserai des questions et celui qui aura le plus de points gagnera un point pour la manche, ainsi de suite. Donc en gros, ce sera la même chose pour les trois manches et à la fin, évidemment, il y aura un gagnant. Un moment, vous verrez que j'aurais du mal à départager parce qu'à chaque fois, c'était à égalité et tout. Mais j'ai réussi au final à m'en sortir. Mais entre nous, je vous cache pas que c'était vraiment, vraiment dur. Mais bref, bonne vidéo à vous. C'est tout, c'est simple. On peut commencer, merci. C'est quoi vos noms? Les calochers et vous, faut que vous taire. Première question, calochers. Qui est l'inséparable de Bonnie Parker? Clay. Un point. Tu connais la Mais où je connaissais? Tu avais pas envie d'être heureux sur ça? Ensuite, faut que vous taire. Qui a mis le premier pied sur la lune? Neil Armstrong. Un point. Bon, les calochers. Quelle est la capitale de l'Afrique? Il y en a pas, elle est capitale de l'Afrique. Hein? La capitale, c'est la continent. Oui, je sais, c'est la capitale. Ouais, ouais, ouais. Ah non, elle pensait que. Bon. Ah. Ensuite, combien de temps dure le règne d'un président? 5 ans. 5 ans? Hein? 5 ans? 4 ans. C'est quinquennat. Quinquennat, c'est 5. Bah oui, je crois que c'est 5. Oh non, attends. Tu fais des questions et tu sais pas des réponses. Dans la vidéo, on voit que vous vous moquez de moi. Donc ça veut dire que vous aussi vous essayez d'appareil qu'elle, donc vous êtes des cons. Non, c'est vrai que c'était 5 ans. Moi, je savais que c'était 5 ans. 4 ans. C'est attends, attends. Mais peu importe, dans tous les cas, t'as dit 5, lui il a dit 4. Donc vous êtes dans le faux parce que vous êtes ma bien en temps. Mais comment ça? Elle a posé la question à moi, donc moi j'ai un point, je m'en fous. Ensuite, Kalashri, qui est le père de la fille de Vincent Cassel? Concertez-vous. Qui est le père? Le père. Mais c'est Vincent Cassel, ma gueule. T'es sûr? Bah oui. Vincent Cassel, donc là, ça fait 3-2 pour le Kalashri. Dans quel pays peut-on trouver la Catalogne, l'Andalousie et la Castille? Concertez-vous. Il y a trois propositions. L'Italie, la France, l'Espagne. L'Espagne. Vous êtes sûr? Bien joué. Mes amis, qui était le dieu de la guerre dans la mythologie grecque? Concertez-vous. Manu. Oui, si, il dit ça. Concertez-vous bien. Qui? Hadès. Il existe? Hadès ou je sais pas. Il existe ou pas Hadès? Oui, il existe. Oui. C'est pas ça, mais c'est pas Hadès, je crois. Vous êtes faux? Vous êtes non? C'est Hadès. Hadès, tu vois Hadès? Oh, je savais là, d'où ma mère. Ça fait 4-3. Les amis, quelle est la capitale de l'Inde? Pouah! C'est pas nous qu'on fait? Si eux, ils savent pas, vous répondez? Oui, voilà. Donc, bah, du coup, l'esprit des calochers.
Qui est la capitale de l'Inde? La vie de ma mère, je sais. J'ai vu un film de ça au collège. Je sais pas si tu te rappelles en c'est temps. Bombay. N'importe quoi. C'est Bollywood. Dégage, c'est bête. 8 secondes. 1, 2, 6. Arrête de faire genre là, tu sais pas c'est quoi. Je sais. Tu sais quoi c'est quoi. Ville, New Delhi. La vie de ma mère. Ouais. Voilà. La famille des. Faut qu'on rooster. Facile, la vie si vous avez pas de faites semblant. Quelle est la date du premier confinement en France? Attends. Le jour du mariage de Norgane. Non. Je peux pas dire. Attends, premier confinement. Premier confinement. Oui, quand on était confiné en mode demain, on est en guerre. Non. Il y a eu le truc. C'est le lendemain. C'est deux jours après. C'est deux jours après. Si, deux jours après. Non, parce que dans le cas, elle s'est tuée le 14 et c'était le lundi après. Oui. Non, c'est le 16 ou le 17. C'est le 16. Juste parce que moi je sais, moi. 17, c'est bon. Vous êtes sûr? Ah, 17. 16. Non mais 8 secondes. 1. 16. 17. Non, 16. Pour moi c'est 16. Dis le truc. 16. Dis le truc. 17. Mais ils sont 17. 17, écoute-moi, 17. Mais c'est bon. Non, 17. Si Kevin il t'en dit, ça veut dire que c'est 17. Mais non, 17. Elle dit 17. Ellie. Tu devais aller à Lyon. Magdalene, laisse-moi dire. 17. Ellie, tais-toi. 17. 7 mars 2020. Bravo les amis. C'était pas le 16. Je t'ai dit, Mathieu, que c'était genre là. Je dispose d'une somme. Je calcule que pour m'acheter 4 livres et il me manque 5,50€. Sachant que chaque livre coûte 4€. Attendez. Sachant que chaque livre coûte 14,50€. 14€. Donc la personne peut s'acheter 4 livres et il manque 5,50€ en sachant que chaque livre coûte 14,50€. Calculez la somme que j'ai en poche. Donc la somme qui est la de base. Moi j'ai pas capté, moi j'ai trouvé. T'as cru ça? Ouais, j'ai trouvé genre un. Ouais, écoute. T'es nul en maths. T'as pas, ouais, c'est facile. Moi j'ai trouvé. C'est tout banal, ma gueule. Moi les maths, c'est tout banal, tout chiant. C'est tout banal, ça fait 10 minutes que vous êtes sur une feuille. Ah, c'est tout banal, tout chiant. Je rejoue. Sachant que chaque livre coûte 14,50€. Calculez la somme que j'ai en poche. 58. Non, 58. Non. Non, 53,50€. Merci. Attends, les gars, c'est quoi votre calcul? On a fait quoi? 14,50 fois 4. 58, ça fait 58. Moins 5,50€. Bref, vous êtes sûr ou pas? On peut avoir un tour là, c'est trop. 53,50€. Sûr? Oui. Dernier mot? Oui. Faux! C'est 52,50. T'es sûr, toi? Sûr et certain. Dernier mot? Dernier mot. Bien vu, mon gars! J'ai mal calculé là! Non, en fait, de vrai, leur calcul était bon, mais c'était ça la réponse. T'as mal calculé. Avec quel mot compléter ces phrases? Je ne pense pas qu'il malade. Qu'il est? Je ne pense pas qu'il soit, je ne pense pas qu'il a malade, je ne pense pas qu'il est malade. Concertez-vous. Tu peux répéter une proposition? Je ne pense pas qu'il est malade, je ne pense pas qu'il soit malade, je ne pense pas qu'il a malade, je ne pense pas qu'il est malade. Il a malade. En fait, il y a deux fois est. Il y a est ou est. C'est le premier. C'est quoi le premier? Je ne pense pas qu'il est malade. Non, il est arrête. Non, en fait, non. C'est bon, moi, c'est bon. Je pense pas qu'il soit malade. Sûr? Oui. Certain? Oui. Bouclé, bouclé. J'ai dit quoi là? Tout bouclé. La réponse était. Je ne pense pas qu'il soit malade. Quelle assume! Je suis facile, malgré. Je le sais, mais. Et qu'est-ce qu'il y a aussi? Ils ont fait une heure. En cette banane, vous avez même pas réussi, bande de cons. Oh! C'est un peu derrière. J'aime bien les maths, mais je suis pas forte en maths. T'es même, tu l'as dit avant. Je vous ai dit, c'est facile, c'est à peu près la même chose. Donc. La calacherie, avec quel mot compléter ces phrases? Je vous ce paquet de la part de Sophie. Je vous emmène ce paquet de la part de Sophie. Je vous apporte ce paquet de la part de Sophie. Je vous amène ou je vous emporte. Là, elle a soulevé le niveau. C'est pas un niveau. Arrêtez-moi, j'ai français. J'aime pas ça. Est-ce qu'on dit, comme on parle dans le bon français, on dit je vous emmène ce paquet de la part de Sophie. Je vous apporte ce paquet de la part de Sophie. Je vous amène ce paquet de la part de Sophie. Ou je vous emporte ce paquet de la part de Sophie. Si vous amène, c'est des fous, je fais apport. Ouais, je vous apporte. Sûr et certain? Ouais. Sûr? Ouais. Bouclé, bouclé? Ouais.
C'est bon. En tous les feux qui rejoignent le cerf. Quel verbe n'est pas au futur? Dirons, nous courons, nous vendrons ou nous courons? Nous courons. Mais c'est dit. Elle va pas parler, frère. Mais si. De quoi? Mais wesh. Pour toi, c'est quoi? Pour moi, c'est nous courons. Et toi? C'est quoi, toi? Nous courons. Dirons. Nous dirons. Donc, ça veut dire, on va le dire plus tard. Nous courons. On court maintenant. Pourquoi c'est nous courons? Oui. Sur certains? Oui. Ok. Il y a une question, mais en sachant qu'eux ils sont bien en avance, et il y aura une deuxième manche pour voir un peu le niveau. Par rapport à là qui aura gagné, genre ils auront un point. Je sais pas si vous voyez. Merci. Qui est l'acteur principal de Neuilly sa mère? On a rien besoin de dire. Ouais, ah non, ça nous égare. Qui? C'est lui. C'est Samy Seguir. Il n'y a pas de Samir. Samy Seguir. Dans la danse, il s'appelle comment? Il s'appelle Samy. C'est pas ça. Si, c'est ça. Vous êtes sûr? Samy Seguir. Samy, c'est pas Samir? Non, Samir Seguir, c'est un autre. Je suis désolée, mais c'est pas ça? C'est Samir? La vie, c'est Samy. Oh, c'est pour ce point là! De la triche déjà. Les chouchous des nanas, où est-ce les collections des nanas? Donc, du coup, il y a 8 à 5 pour les fuck your loser. Kalashri, ils ont 6. Les amis, pour la deuxième manche, il y aura plusieurs thèmes et vous allez choisir. Premier thème, les langues. Deuxième thème, le style musical. Troisième thème, géographie, pays d'Europe. Et quatrième thème, les cités trans. Christella, tu commences, qu'est-ce que tu veux faire? Les langues. Les langues. Ok, donc faut que tu me dises 10 langues de... qui existent. On commence. Lingala, français, anglais, allemand, espagnol, chinois, swahili, italien, lari. T'as bien de l'Afrique, toi hein? Ah oui. Le Bambara. Soninke. Le monde, ça fait 11. Créole. Ouais. Créole. Ouais. Le latin, c'était une langue. Le grec c'était une langue. Portugais. Non, portugais. Portugais, il y a russe, il y a plein de trucs. Hein. Mais quand tu vois, il n'y a pas tout qui vient. Oh, alors, ok, donc là, un point pour Christelle, enfin un point pour le rugby pour l'instant. Ellie, Christelle, Cassandra, qui veut passer? Ellie, vas-y. C'est de France. C'est de France. Et qui existe, ok? 15, parce que c'est son 15. Ouais. Il y a les 4000 à Courneuve, okay. La plaine d'Ulysse, le Montaigu, les 3000 à Aulnay-sous-Bois, le Bois d'Abbé. Ouais. Non, de te moquer de ton frère, toi. Je me moque pas. La Castellane à Marseille. Pas mal. Castellane. Ouais. L'Almire, Châteaubriand, Marais. C'est fini. Mais c'est pas des cités, ça. C'est pas des cités. Des quartiers, ça. T'as 8? Ouais. Il en faut 15, donc du coup, c'est mort. T'essayes de lui donner une glace. Moi, je suis là. Laisse-moi tranquille. Elle est en train. Il a dit ou pas? L'application alimentaire. Voilà. Il a rien dit. Elle était 76. Voilà, elle est en train de donner une indication. Un bâtiment, 76, pourquoi tu pleurais? Oui, bah oui, pourquoi tu dis ça? Mais c'est un bâtiment. Ok, mais pourquoi tu dis ça? C'est un bâtiment. C'est un bâtiment. Ouais. C'est une ville, c'est pas le nom d'une cité. Bodot. Il donne des villes, il donne pas des noms de cités. Oui, c'est Seran. Ouais, le quartier. C'est la cité. C'est ça, ouais. Ça fait 40 minutes que là, t'es bon là. J'ai perdu. Moi j'aurais gagné ça. Mais c'est parce que tellement il y a un truc que t'oublies. Bon, Ellie, t'as pas de points, désolé. Ah, la boissière, c'est que la boissière, il y avait la renardière. Il y a trop de trucs, wesh, le Londo, ma gueule, wesh. Rien de plus, désolé, il n'y a pas de points, depuis maintenant, ils ont un point. Kevin, à toi. Connais mon plan. Tu te restes style musical ou pays d'Europe? Hein? Rien. Quoi? Je crois que j'ai un pays d'Europe. Dites-moi 15 pays d'Europe. Quoi? Je sais pas, ouais. Qu'est-ce qu'il y a en France, oui, ouais. La France. Ouais. Moi, géographie, c'est chaud. Franchement, ça se fait pas parce que moi, je passe en dernier, j'ai pas le choix de choisir. Bah, ouais, bah, c'est pour toi. Toi, faut que t'as. Espagne, France, Italie. Ouais. Ah, à 3 qui non, mais il y a plein Allemagne, Hollande, Portugal. Non, défends la meuf, toi.
Cassandra. Bah oui, style musical. Cite-moi 10 styles musicaux. Ça, tu me dis que c'est facile. Bah c'est facile. Ok, vas-y, rap, voilà. Le slam. Ouais. Voilà. Afro. Ouais. Attends. Il me reste 3. Oui. Vas-y, R&B, t'as même pas dit R&B déjà. T'es pas non, ça, c'est fini de toute façon. On peut décaler. Ouais. T'en reste un, je t'ai passé R&B. C'est vrai. Classique. Ah bah oui, c'est bon. Ouais. J'ai même le jazz. Ouais, bah voilà. Le soul, le punk, le métal. Vous voyez quand on attrape les haters. Ouais, tu voulais abandonner un deux. Ça m'est rien fait. Ça chante trop sur moi. C'est pas le gars qui a ouvert la bouche. J'aime pas le rock and roll. Même ça doit pas se dire. J'ai dit. C'est elle qui a parlé, mais c'est moi qu'on agresse. Mais pourquoi tu m'agresses alors que j'ai même pas dit ce qu'elle m'a dit. Kevin, il m'a donné un point parce qu'il a la rage. Donc là, il y a 1-1. Je sais pas comment départager. Donc on va faire quoi. Donc 7 films où il y a Will Smith dedans. Ok, vas-y, c'est moi, je le fais. Je fais. Anatomie du corps, les régions de France. Les régions, c'est des trucs Île-de-France, Loire. Oui, c'est pour bon, toi, mais tu... oh, ah, ouais. Bref, donc il y a, c'est moi, 10 régions de France, 7 films où Will Smith était dedans et 10 anatomies du corps. Mais pourquoi 7, 10, 7 Je fais ce que je veux. Oh, ok. Vas-y, quand t'as les 3. C'est lui, il fait. Le film de Will Smith. Oui, mais dis-moi tout. Men in Black 1. Ouais. Men in Black 2. Oh putain. Backwards 1, Backwards 2. Allez, repose le chapeau. Ah, c'est ça, Harry Potter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais attends, mais vous êtes malade. C'est trop facile. Ok, mais du coup, on peut s'aider. Vas-y, aidez-vous. Wow. Vous aidez. Ok. Donc, Will Smith à la recherche du bonheur. Attends, ok. Ferme la qu'est-ce que tu fais. Non. Vas-y. Non, on fait. Elle est contre nous. On fait. C'est à la recherche du bonheur. Attends. Du coup, Men in Black 1. Ok. L'autre que t'as dit. Bad Boys. Bad Boys. Je suis une légende. I Robot. C'est déjà. Il en reste 2. Wesh, Non, arrête de regarder toi. Comment il s'appelle le truc où il fait le chant séduction là? 2 secondes. Non, arrête-toi. Écoute, je vais le voir. Itch, coach en séduction, regarde. Ah oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Merci. Ouais, c'est ça. Voilà, comment tu m'as aidé là. Comme After Earth avec... Ah ouais, le surprise. J'ai pas dit, tu fais mal. Aïe. Tu me penses. Au secours. Bon, okay. Du coup, vous avez 2. Il reste 2 thèmes. Anatomie du corps ou région de France. Les régions, faut en dire combien? 10. Je pense. Région, c'est quoi les régions déjà? Non. Exemple, que je voulais savoir. Vas-y, région. S'ils en moi 10, pardon. Alors, Haute-Seine, Seine-Saint-Denis, Val d'Oise. Pas ça. C'est les départements. Mais c'est ce que t'as dit. Île-de-France, c'est pas un département. Non, en Seine-et-Marne. Île-de-France. Île-de-France, c'est pas une région. Île-de-France. Mais non, je veux pas ça alors. Je veux pas ça. De France. Ouais. La Loire. Ouais. J'ai dit Loire. T'as dit quand en Loire? Ah, c'est bon, j'ai dit l'Oise. La Bretagne. Pas-de-Calais. Nord-Pas-de-Calais. Bouches-du-Rhône. Les dom-toms. Oh mon dieu, Elise. Oh là là. Alt-Martino. Ouais. Il en reste 4. Ouais. Là c'est trop. Ma base t'es vu. Oh non, t'es juste vu. Elle souffle. Oh non, t'es juste elle souffle. Arrête. Je suis choquée. Mais j'ai pas vu la faute de putain. Je la regarde là. Elle a parlé avec lui. Mais même si t'as pas vu, nous on a vu. T'es vraiment une tricheuse, toi, depuis le début, t'es contre nous. Non, le pays de Doom. Hein? Le Loiret. Ouais. La Nièvre. Hein? Tu dis quoi là? La Nièvre, c'est une région, là, de ma mère. Ou Bourgogne, je sais pas. Oui. C'est ça que je suis en souffle. Il en reste combien? 2. Elle peut plus t'aider ta tête, je la regarde. Ça va, la regarde comme ça.
Je suis en train de réfléchir. Eh, hey, pas trop, c'est bon, la jeune dame. Non, parce que t'es vraiment une tricheuse. La vue, je suis choquée. C'est la seule fois que j'ai triché. Tu les aides, va. J'ai jamais fait qu'il ne me dit pas. Vas-y, qu'est-ce que ça me met? Rien du tout. Le mec 1, 2, 3, il a dit non, ça va. Elle dit oui, c'est ça va. C'est des films, ma gueule. Attends, parlez trop, vous me brouillez les idées. Tu peux abonner aussi. Là, t'es contre nous en fait. Ardèche. L'Ardèche, c'est une région. Regarde, c'est pas une région, frère. Là, mes grands-parents, ils habitent là-bas. Ah ouais, c'est un département. Ardèche. Il a dit les deux. Ardèche. Ça existe, Ardèche? Oui, c'est pas ça. Si, ça existe. Ça existe, mais non, c'est pas une. Tu peux parler autrement. Non, parce que je suis young. Mais j'ai rien fait. Mais pas de. Mais parlez-nous bien, parlez-moi la madame. Un dernier. Il reste un. Ellie, je te vois. Hein. Dans la caméra aussi, ils vont te voir. Oui, comment tu la regardes dans l'autre caquette. Elle s'est mise là-bas pour la voir pas avec la vidéo. N'importe quoi. Mais justement, quoi. Oh, quoi. Je sais pas, c'est logique. C'est logique. Bon, bah, désolé, hein. 8 secondes. 1, 2, non, je sais pas. 5, 6. Eh, dis pas, c'est bon, reste. D'accord, ça a été d'accord. Retard, là, 18. Et la corse, c'est pas une région. Son corps, c'est une tranche. Mais c'est trop tard, il est assuré. Eh, qui crône, vas-y. Et c'est bon, on n'est pas des mecs. Les gagnants de cette manche sont les Kalachis. Dans la manche, en fait, vous allez devoir compléter des paroles. Chansons. Mais Kevin, mais toi, vous connaissez trop de trucs. Premier son, africain. Ah, c'est pour toi, ça. De section d'assaut. Attends, je vais te niquer. Nino, un Banks, je sais pas lequel. J'écoute pas Nino. Moi j'écoute Nino. J'ai jamais écouté les Banks. Ouais, j'arrête. Un des Banks, quelqu'un choisira lequel. Non, on sait pas, c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. Banks to Banks Party 9, c'est juste. Banks to Banks Party 9. Le 4, je sais qu'il y en a un 4. Le 4 et le 3ème. Love Money de 4 queues. Mais du coup, on doit faire quoi? Vous choisissez. Vous commencez. 4 queues, c'est Love Money. Il est le refrain, hein. Non, tu sais, c'est pas le refrain. Les paroles exactes. Tu connais les paroles exactes? Silence. Allez, monsieur va chanter Love Money de 4 queues. T'es sûr? T'as tout bon? Chut, dans la salle, s'il vous plaît. Oh, mec, sur tes côtes, à qui la faute? Tes doigts, tu es du haut de ce fa la poitrine. Je t'ai vu venir, mais je ne suis pas comme les autres. Tu niches toi avec qui je ne vois pas d'avenir. Love, love, love money, love, donne-nous, c'est la monnaie. C'est ça, non? C'est trop bien, il nous fait des doigts d'honneur. Si vous trouvez bon, il y a encore un 1. Mais c'est bien. Oui, putain, bah, ça va jamais se faire. On va finir, on va faire. Non, bah, je vais. Oh, non, non, regarde-lui. Non. Il n'y a pas ce qu'il faisait là. Africain de. Section d'assaut. Donc, c'est toi qui chante. On est deux. Africain, yeah, yeah. Putain. Africain. Ne jugez pas, chaque humain est comme il est. Je ne suis qu'un Africain. J'ai marché sur la lune, mais là. T'as dit quoi? Je ne suis qu'un Africain. J'ai marché sur la lune. C'est pas ça. Mais si je voulais marcher sur la lune, mais là-bas c'est limité. C'est pas. Dans la vue, toi tu cherches. C'est pas. Ok, vas-y. Voilà, donc là il y a 2-1. Désolé, c'est là. Non, là, tu m'étonnes. De toute façon, je m'en fous. La vue, vous avez vu vous-même depuis le début, elle est contre vous. Jamais de la vie. Bon, bah, du coup, les gagnants, toi qui roule le cerf. Levez-vous s'il vous plaît. On a gagné, hein, comme je dis, on parle pas trop, on a gagné. Ils ont. Moi je dis qu'il y avait de la triche. Voilà, même Aléa elle est d'accord avec moi. Il y avait de la triche depuis le début, Magdala elle les aide. Quand ils arrivent pas à dire, oh, vous êtes sûr c'est ça. Toi aussi je t'ai fait ça. Non. Mais non. Si. Elle-même elle a vu, c'est pour ça qu'elle parle plus. Elle a dit, c'est pour ça Jim, mais vous en prenez pas moi du coup. Prenez-vous en elle parce qu'elle sait ce que tu fais depuis le début. Oh, mais au calme, vous avez gagné, c'est bien. Viens. Non, c'est déjà qu'on a gagné. On devait gagner, mais même la présentatrice commence à tricher. Elle commence à les aider, non, on a vu. Mais c'est pas grave. Ouais. Toutes les manches, la présentatrice était avec les figures. On le sait. C'est bon, on reviendra plus fort la tête d'homme. Les tricheurs ici. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. C'est bon, c'est léger. Et on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Au début de la vidéo, on était tous amis. Mais à la fin, moi, je les connais pas. Là, ils me lèvent trop.